danse répétée tous les soirs. Donc la parfaite maîtrise de son corps à son âge. Et il a donc plus de 80 ans. On n'était pas tout à fait d'accord ici sur l'âge exact du doyen. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dépassé les 80 ans. Il serait plutôt proche des 85 ans. Et on retrouve les gestuels de ses jeunes disciples adaptés à sa vitalité, à son âge. Exercice désormais de longévité et de santé. Travail d'équilibre, de posture, n'est pas simple à exécuter. Très fin de posture car notre vieux Sifu, c'est-à-dire notre vieux maître. J'ai eu peur. Oui, c'est le terme. Il cherche à chaque fois la bonne posture, celle où il aura à utiliser le moins possible sa musculature, c'est des appuis très précis. Posture très maîtrisé. Je pense qu'à Shaolin, la maison de retraite ne doit pas trop être fréquentée. Alors effectivement, c'est émouvant ce vieil homme dont on peut encore sentir l'incomparable connaissance, maîtrise corporelle. Et la parfaite santé. Comment il se vient de le dire. Articulaire. Voilà. Plus de 80 ans, je le rappelle. C'est magnifique. Allez, le travail respiratoire, on devine, hein. Tout en discrétion. Ah, c'est magnifique. 70 ans de pratique, probablement plus. Derrière cette maîtrise. Voilà le doyen du temple de Shaolin, salué comme il se doit par le public ici au cirque d'hiver Boubillonne. Une image assez rare, il faut le noter, hein, de cette démonstration d'un ancien. En général, on exalte la jeunesse, la force. Et on a eu quelque chose de plus doux et de plus impressionnant peut-être. Mais encore une fois, la passation des connaissances à Shaolin est extrêmement importante. Permet
aux jeunes élèves de s'inspirer et de réaliser des performances aussi exceptionnelles. 7 ans. Il a 7 ans. Allez, une scène charmante qu'on a surpris aussi dans les couloirs. Ouais. Où le vieux maître enseignait à lire l'heure au plus jeune des deux sur la grosse horloge du couloir. C'était très, très doux. Voilà, vitalité, la boucle est bouclée, les plus jeunes et les plus vieux. Plus de 70 ans les séparent. Une vraie émotion au cirque d'hiver. Kata traditionnel, main nue, il y a les kata à l'épée également. On dit taolu en Chine, kata est le terme. Je ne vous contredirai pas là-dessus. Oui, c'est bien parce que le kata est le terme le plus connu, mais c'est le terme japonais qui veut dire la même chose, a priori. Travail en groupe, travail d'armes, travail guerrier. Le sabre et le bouclier. Voilà, vous pouvez imaginer, vous reporter quelques siècles, voire quelques un ou deux millénaires en arrière. Imaginez cette troupe de moines en orange, réglant les problèmes avec les bandits, les pirates, les ennemis de l'empereur. Des combats qu'ils avaient choisis effectivement à chaque fois. Parfaite autonomie. Pendant ce temps-là, j'en profite pour signaler qu'on vient de nous communiquer l'âge exact du doyen du temple de Shaolin qu'on a vu il y a un instant. C'est encore plus impressionnant que j'annonçais, puisqu'il n'a pas 85 ans, mais 89 ans. Ah, effectivement, ça commence à être vénérable, même pour un moine extraordinaire. Avec cette démonstration, on comprend mieux pourquoi, lors de certaines guerres en Chine, quand l'ennemi voyait débarquer quelques dizaines seulement de moines de Shaolin, il était moins bien tout de suite. Oui, c'est étonnant, mais effectivement la tradition raconte que à 10, à 30, au maximum à 200, ils pouvaient défaire des armées entières, voire à un ou deux, régler des révoltes. Et on peut imaginer qu'effectivement un tel niveau de maîtrise, ils étaient invincibles même contre des groupes armés, avec leurs bâtons. Belle démonstration donc à l'épée de ces moines de Shaolin.
grand maître va poursuivre son enseignement. Maître, comment puis-je savoir si je suis capable d'être moine combattant ? Je vais maintenant te tester, afin de voir si tu as suffisamment de courage et de volonté, et voir si tu es sur la bonne voie. Concentre ton chi sur la plante de tes pieds, et marche sans peur sur cet escalier de lame tranchante. Voilà, tu ne ressentiras aucune douleur, et tu ne te blesseras pas. Là, on répète, faites pas ça avec vos enfants, hein, surtout. Hein. Sur les couteaux de cuisine. Ouais, faut pas rigoler hein, avec ça. Eux, ils savent. De Jean-Louis Machu, on va voir notamment la musculature du torse du plus petit de ses enfants. On voit aussi que les larmes sur ouais, lesquelles ça coupe des enfants sont courgettes. Donc si ça coupe des courgettes, ça peut couper autre chose, a priori. En tout cas, on n'y risquerait pas nos doigts de pied. Non. Tes concentrations de chi. En tout cas, il vaut mieux s'y connaître. Il n'a que 8 ans et il maîtrise déjà une bonne partie de l'art des moines de Shaolin. Toute glissade est interdite. Ça fait peur. La résistance du corps, même d'un corps d'un enfant de 7 ans, va être testée. J'ai besoin d'un homme fort dans le public pour nous aider à réaliser le prochain exercice. Vous auriez pu y aller. Ça aurait été chic. Je dois rester pour commenter. Mais sinon, ah oui, c'est vrai, pardon. Vous serez allé volontiers. Mais on trouve un grand gaillard et fixe ce bol de métal sur ton ventre en utilisant la force de ta volonté. Personne d'autre que toi ne pourra le retirer. Un travail assez surprenant, vous allez voir. Le contrôle abdominal. Et ce monsieur fait partie des spectateurs. Il est un peu voilà, embarrassé. Ouais, ouais. Doit-il ou ne doit-il pas? Voilà. Étonnant. Incroyable. Il n'a que 7 ans. Et avec ses abdominaux, sa maîtrise, son équilibre, voilà ce qu'il parvient à réaliser. Pour rappeler votre anecdote, c'est ça qui est génial, il ne sait pas lire l'heure. Voilà ce qu'il sait faire. Oui, a priori, les horloges occidentales le déroutaient un peu. Le fouet à neuf queues est l'arme la plus dangereuse utilisée par les moines de Shaolin. C'est aussi la plus difficile à manier. On va le découvrir, ce fouet à neuf queues. Chaîne articulée avec 9 éléments. Il y a autant d'occasions de se faire mal. C'est
gens ne maîtrisent pas, mais ce qui n'est pas leur cas évidemment. Ah, les premiers plans, les premiers rangs, je veux dire, du chef d'hiver sont un tout petit peu inquiets. Alors, on dit qu'il faut pas qu'il ait les moins moites, quoi. Des chaînes qu'on peut trouver un peu dans tous les éléments traditionnels autour des puits ou dans les cuisines. On raconte qu'un maître moine Shaolin employé aux cuisines, lors d'une attaque, avait utilisé une de ses chaînes enflammées pour repousser l'ennemi. Tiré directement de la braise. Une légende raconte qu'un cuisinier du monastère avait été attaqué alors qu'il travaillait seul dans la cuisine. Il aurait alors enflammé une corde en la plongeant dans le feu du four et l'aurait utilisé comme un fouet pour vaincre ses agresseurs. Bon, il va faire un stage sur le vieux maître qui corrobore mon histoire, effectivement. C'est bon signe. Et voilà. Vous allez voir ce tableau absolument techniquement très fort, mais surtout visuellement absolument sublime. Impressionnant à l'œil. Ouais, c'est magnifique. Bon, panneau de feu. Quelle démonstration, ouais, belle démonstration. Et le public apprécie évidemment, vous aussi j'en suis sûr, chez vous. Et visuellement c'est sublime. Et on voit justement la technique au ralenti. Je vais maintenant te montrer les formes les plus difficiles du Qigong. Il faut de nombreuses années avant de maîtriser de pareilles techniques. Alors ça, le c'est pic d'acier. Très impressionnant. Une démonstration qu'on a déjà vue, mais qui est toujours l'aiguille aussi qui, avec la vitesse d'une balle, peut traverser le verre. Le lit de sabre et la planche à clous. Les lances pliées contre la gorge. Et mon préféré. Et oui. Enfin, les barres de fer brisées contre la tête.
le pic d'acier. Pour commencer, encore une fois, quasiment insultant de le dire, mais il faut le préciser quand même pour ceux qui découvrent ce spectacle. Il n'y a pas de truc. Ça fait un peu frémir. Oui. Il faut une très bonne ceinture abdominale. Il vaut mieux. Et sûrement quelque chose en plus. Compte tenu de la marque que l'on vient de voir, c'est la preuve de la réalité de, ce, de cette démonstration. Oui, ça n'a pas traversé, heureusement. Mais on a bien senti des contraintes sur le corps. Alors, qui se sont exercées. Voilà, on va voir maintenant probablement l'un des plus incroyables, l'une des plus incroyables démonstrations, l'aiguille. Ah oui, c'est avec très étonnant. La vitesse va traverser le verre, la vitesse d'une balle, dit-on. En tout cas, une vitesse suffisamment importante pour traverser le verre. Ça, c'est phénoménal quand même, phénoménal. La précision et la puissance du jet. Ouais, bouche bée, hein, Emmanuel. Ah, je suis un peu, oui, effaré, étonné. Le lit de sabre, à présent, et la planche à clous. Sabre posé sur une surface en bois et la résistance du corps. Oui, c'est le mélange des deux qui... Voilà. Et ça fait un bon sandwich. Alors encore la planche à clous, la clou, à clous ou les sabres, mais les deux en même temps, plus un camarade par-dessus. Puis on va rajouter une petite dalle en béton et on va casser tout ça. Aïe. Et en dessous, il était, je vous le rappelle, sur des sabres, côté tranchant, bien sûr. D'ailleurs, son dos emporte encore les marques. Quelle résistance, regardez, ouais. Et là, ce qu'on nous montre, c'est le côté effilé des lances qui vont être utilisées. Là encore, surprenant. Plier une lance contre la gorge de ce moine de Shaolin. C'est le défi proposé maintenant. C'est l'expert, lui, on l'a déjà vu à l'œuvre. C'est lui qui se colle à ce genre de démonstration. Inquiétante. On a vu que ces lames étaient capables de rentrer dans des blocs de bois. Respiration. On retient notre respiration. Nous aussi, heureusement. On n'est pas dans la même situation que lui. Aïe. Ça laisse, c'est le cas de le dire, sans voix. Beaucoup de travail, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça n'est pas fini.
La tête est dure chez les moines de Shaolin. La tête est bien faite d'abord. Et grâce à la méditation justement, alors on fait tester ces barres. Et d'ailleurs on a pu les tester nous-mêmes tout à l'heure. Une sorte de fonte en fait, extrêmement difficile. Bien lourde et bien dure. Et j'avoue qu'on a essayé nous-mêmes de les casser. On n'a pas été très fort, mais sur des bouts de bois. Et on n'a pas essayé sur votre tête. Non, ça non. Sur des bouts de bois, et on n'y est pas arrivé, hein, je peux vous le garantir. C'est parti, préparez-vous. Eux sont prêts. Deux cette fois-ci. Aïe. Là c'est vraiment plus difficile parce que l'épaisseur rend la résistance. Ouf. Bah en fait non. Métal, ça n'a pas suffi a priori. Quelle démonstration exceptionnelle de ces moines de Shaolin. Ah, le public est totalement subjugué ici au Cirque d'Hiver Bouglione. On revoit ici, grâce à Jean-Louis Machu, ces images au ralenti. Un bon combattant n'est pas furieux. Un bon vainqueur n'est pas vengeur. Encore. Tao Do King. Lao Tse, toujours. Ah oui, voilà, c'est très impressionnant. Vous imaginez ce que la maîtrise de ces petites aiguilles comme arme pouvait donner. Shaolin et leurs armes favorites. Ouais, avec chacun sa spécialité. Sabre qui a volé. Alors que nous sommes sur un tableau qui représente les épreuves du jeune moine pour devenir moine, pour passer l'épreuve, être initié, battre plusieurs moines de suite. Il faut beaucoup de travail, il faut de la patience aussi. D'ailleurs, la légende veut que Bodhidharma soit resté quelques années devant la porte du temple de Shaolin avant à méditer. Oui, la méditation avant d'y entrer. Pendant 9 ans. Ouais, pour enseigner donc son art à ses moines. Un art qui perdure aujourd'hui, 1500 ans après. Notre jeune moine est passé à travers toutes les épreuves, mais il a affaire à forte partie. Ah,
Attention, danger, nos deux jeunes apprentis. Ah, très bien. Nous avions ils sont pris... parvenus. Oui, faites écho pour eux. Les voilà intronisés, moines de Shaolin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie de votre précieuse attention et de vos applaudissements. J'aimerais vous présenter une fois encore les moines qui m'ont accompagné aujourd'hui. Le maître aux deux épées. Le maître des formes animales. Maître de la lutte à l'épée. Le maître de la lance. Le maître du qigong, de la chemise de fer et de la casse de bâton. Le maître du fouet. Le maître du titan. Le maître de l'imitation du singe. Le maître de l'agilité et de la maîtrise du corps. Le maître du qigong qui traverse le verre avec une simple aiguille. Le maître du qigong dur sur la tête duquel les barres d'acier se brisent. Et mes deux plus jeunes élèves, qui un jour deviendront eux aussi de grands maîtres. Nous remercions le grand maître Shidoué pour sa sagesse. Et le vénérable grand maître du temple Shaolin, Xiong Heng, dont la bienveillance guide nos pas dans notre voyage autour du monde.